Bonjour à tous, Chuck pour la NFA. Je suis présentement au bout de Cadex avec mon chum Pat. Salut Pat. Salut chum. Comment ça va? Ça va bien. On est à SHOT Show 2024 à Las Vegas. Cadex a présentement un nouveau produit. Pat, est-ce que tu peux nous parler de ce monstre que vous avez sorti? Qu'est-ce que c'est que ça, cette affaire-là? Bon, ça, c'est un nouveau modèle. C'est présentation. On l'a fini pratiquement 2-3 jours avant d'arriver à SHOT Show. Ça a tout pris pour l'amener ici. Mais comme bien des manufacturiers. C'est notre nouveau bébé. On s'entend, c'est pas pour usage au Canada. C'est un antimatériel présentement au niveau des réglementations canadiennes. Fait que ça, c'est prohibé malheureusement. Mais pour le marché américain, pour les autres marchés internationaux, c'est légal. Fait que dans le fond, ça, c'est le nouveau CDX X145. C'est une nouvelle série d'armes de Cadex avec un châssis pratiquement comme un monobloc avec une partie arrière qui est 100% ajustable. On a un nouveau look-alike un peu différent qui ramène les anciennes lignes, mais en même temps, c'est quand même différent au niveau du look. C'est un méga gun, méga boat. Ouais, la boat, tu sais, si on a une bouteille d'eau, là, juste pour montrer à côté, là, vous allez voir que c'est la boat est assez grosse. Oui, c'est assez monstrueux comme gun. Fait que vous avez parti votre receiver, c'est pas basé sur le Kraken. Zéro. Ou 100% nouveau. Si on compare ça à un Tremor 0.50, ça a l'air d'un bébé à côté. Ouais, on parle de 40 pouces de canon sur ce gun-là. C'est chambré à 14.5 par 114. C'est une version métrique. C'est un calibre russe. Malheureusement, il n'y a jamais eu de balle de qualité pour ce gun-là. Mais là, présentement, on est avec des partenaires d'armes à feu, dans le fond, de partenaires de munitions, qui sont en train de tourner de la balle exprès pour ce calibre-là. Fait que ça va être une machine d'extreme long range aussi pour les Américains, pour faire de la très, très haute distance. On parle d'un gun capable de tirer là, d'une portée de plus que 3 km. Fait que, c'est ça. Dans le fond, c'est un receiver complet. C'est entièrement stainless. Même chose avec le canon stainless, Bartline naturellement. Mm-hmm. Toujours en single point cut. Fini serre-à-côte. Capacité de rail M-lock. C'est un arme aussi qui avec un bipode intégré avec une absorption de recul directement dans la partie-là. Après ça, on a une poignée de transport sur le côté. Puis le boat, il est quick detach. On peut démonter facilement. Magazine, 4 rounds, tout ça, un en chambre. Exact, 4 rounds, twist de 1,14 au niveau du canon. Puis là, comme c'est là pour le show, bien, on a mis ça avec nos partners au Canada, qui est Tangent Theta, qui est fait des scopes fait à Halifax. C'est pas mal le top en frais de qualité. C'est le nouveau 7,35 par 56. Puis là, bien, on a mis le nouveau Vortex Impact 4000 aussi, là, qui est un rangefinder intégré avec une solution balistique à même l'information dans le scope. On a fait une nouvelle monture. Ça prend. Tout est plus gros là-dessus. C'est un 5 bolt. C'est un pattern à 6 trous, à 10 trous dans le fond, comme ça, avec un locking ring en arrière là, qui empêche de slider. Puis on a fait ce qu'on appelle un diving board en avant qui est 100% floating. Il touche pas du tout au télescope. Fait que pour pas déformer rien. Mais c'est toute une machine. Bien hâte d'essayer ça personnellement. Ouais, c'est ça. Le recul devrait pas être trop pire là-dessus. Ouais, ça devrait être très doux, c'est ça. Ouais, le reste tant qu'on perd pas connaissance en tirant. Juste pour vous donner un exemple, on a un 375 Enabler ici, qui est dans le fond la balle la plus puissante qu'on peut avoir légalement au Canada. Ouais. Puis vous avez ici votre... c'est 14 points... C'est 14.5 par 114 comme calibre. Là-dedans, on parle d'à peu près 120 grains de poudre dans un 375. Puis là-dessus, il y a au-dessus de 500 quelques grains de poudre. C'est pratiquement comme de la poudre amortie dans ce calibre-là. C'est vraiment un monstre. C'est un monde à part, vraiment. Il n'y a rien qui est dans ce créneau-là présentement de qualité. Ouais. Fait que comme Cadex, on fait juste du stock de qualité. C'est ça. Fait qu'on va tourner la balle. Il reste encore un peu de fignolement pour amener ça vraiment next level au niveau précision longue distance. Puis naturellement, pour les marchés militaires, il y a toutes sortes de munitions là-dedans avec des projectiles nano-explosifs avec nos partenaires Ultimate Ammunition, qui est un manufacturier de munitions ici à Vegas. Fait que c'est ça. Puis PBM qui en est un autre. Nice. Ben Pat, un gros merci. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir. Merci à NFP, toujours pour le support.